L'intelligence est la capacité à comprendre. Nous transmettons notre savoir aux machines. L'intelligence artificielle se développe rapidement, mais cette nouvelle technologie pourrait poser plus de problèmes que prévu. On ne la contrôlera pas. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Mais il pourrait aussi être le dernier. Les algorithmes intelligents existent déjà, mais ce n'est qu'un début. À l'ère de l'IA, les données sont le nouvel or noir. Amazon, Google et Facebook sont les entreprises les plus riches et puissantes que l'histoire ait jamais connues. Une poignée de personnes, d'une poignée d'entreprises, influencent l'opinion de milliards de gens. Cette technologie remet en question ce que signifie être humain. L'intelligence artificielle est une intelligence non biologique, tout simplement. Et l'intelligence en soi est l'aptitude à réaliser des objectifs. L'IA sera soit la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité, soit la pire. On peut l'utiliser afin de résoudre tous les plus grands problèmes actuels et à venir. Guérir des maladies, faire face au changement climatique, mettre fin à la pauvreté. Mais cette même technologie pourrait aussi servir à créer une violente dictature mondiale qui nous placerait tous sous surveillance et engendrerait des inégalités et des souffrances sans précédent. C'est donc le plus important débat de notre époque. L'intelligence artificielle est partout. Il existe aujourd'hui des machines qui pensent. Sur Internet et les réseaux sociaux, une IA décide de ce qui va vous être recommandé. Quand vous faites défiler votre fil d'actualité sur Facebook, c'est une intelligence artificielle qui choisit les publications de vos amis que vous allez voir en premier et celles qui vont passer à la trappe. Si vous voulez souscrire une assurance, une IA détermine votre degré de risque. Et si vous postulez à un emploi, il est probable que votre CV soit examiné par un logiciel. Nous sommes faits de données. Notre manière de nous exprimer, d'aimer, notre comportement, nos activités quotidiennes, tout ça, ce sont des données. Les informaticiens développent des algorithmes capables d'apprendre à identifier, classifier et prédire des schémas au sein d'une immense quantité de données. Thank you.
Nous sommes confrontés à une forme de haute surveillance que l'on pourrait qualifier de surveillance algorithmique. Nous ne pouvons plus rien faire incognito. Les algorithmes nous surveillent en permanence. On doit presque toutes les dernières avancées mondiales en matière d'IA à une poignée de grandes entreprises ou de gros gouvernements. Si on se penche un peu sur le sujet, on constate que l'IA est souvent développée pour tuer, espionner et faire du lavage de cerveau. Dans le domaine militaire, les gouvernements majeurs construisent toute une panoplie d'appareils de surveillance équipés d'intelligence artificielle. Et dans celui de la publicité, on recourt à l'IA afin de mieux cibler les annonces. L'humanité est arrivée à un carrefour. L'IA actuelle est limitée. Depuis le début, le but ultime de la recherche est de concevoir une IA capable de tout faire mieux que nous. Nous créons un véritable dieu qui va révolutionner la vie telle que nous la connaissons. Il est extrêmement important de prendre du recul et de bien réfléchir au genre de société que nous voulons. Nous vivons une profonde transformation. Nous élevons cette nouvelle créature, cette sorte de nouvelle progéniture. Mais comme avec n'importe quelle progéniture, nous ne sommes pas en mesure de contrôler tout ce qu'elle va faire. Nous vivons une époque privilégiée, où pour la première fois, nous allons probablement voir l'IA dépasser l'être humain dans de très nombreux domaines, si ce n'est dans tous les domaines importants. Ça va tout changer. Une nouvelle forme de vie est en train de voir le jour. Jürgen Schmidhuber est surnommé le père de l'IA. Son travail a transformé l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle en permettant la reconnaissance faciale et vocale qui sont utilisées par des milliards de personnes dans le monde. Petit, je me demandais comment maximiser mon impact sur le monde. Il m'est apparu que je devais fabriquer une chose qui allait apprendre à devenir plus intelligente que moi, afin que je puisse me reposer sur mes lauriers, tandis qu'elle continuerait à s'auto-améliorer et qu'elle résoudrait tous les problèmes que je serais incapable de résoudre. Multiplier à l'infini cette minuscule pointe de créativité qui est la mienne. Voilà ce qui m'anime depuis lors. Comment s'y prend-on pour concevoir une intelligence artificielle multispécialisée? Pour qu'elle soit intelligente, elle doit être capable de reconnaître des paroles, des images, une écriture manuscrite, des visages, toutes sortes de choses. Et sur ce point, nous avons fait d'énormes progrès. Prenez les LSTM, les réseaux de neurones récurrents à longue mémoire à court terme que nous avons développés dans nos laboratoires à Munich et en Suisse. On les utilise aujourd'hui pour la reconnaissance vocale, vidéo, ainsi que pour la traduction. On les retrouve dans tous les smartphones, près d'un milliard d'iPhones et plus de 2 milliards de téléphones Android. En cheminant vers notre objectif, nous générons donc toutes sortes de produits dérivés utiles.
Cet objectif principal, c'est une intelligence artificielle générale, une IA capable d'apprendre et améliorer d'elle-même l'algorithme d'apprentissage. En gros, elle peut apprendre à perfectionner son processus d'apprentissage, et ce de manière répétée et quasi infinie, sans autre frein que les limites fondamentales de la calculabilité. Voici l'un de mes robots favoris. Nous l'utilisons pour nos recherches sur la curiosité artificielle. Nous tentons de lui enseigner à apprendre par lui-même. Que fait un bébé? Il explore le monde qui l'entoure avec curiosité. C'est ainsi qu'il découvre, par exemple, comment fonctionne la gravité et comment certaines choses tombent. En apprenant à poser des questions sur le monde et à y répondre, il apprend à résoudre toujours plus de problèmes de tous ordres. Nos systèmes artificiels apprennent donc également à poser toutes sortes de questions, et pas uniquement à répondre à celles que leur posent les humains. Nous devons donner à l'IA la liberté d'inventer ses propres tâches. Si on ne le fait pas, elle ne deviendra pas beaucoup plus intelligente. D'un autre côté, il est très difficile de prédire ce qu'elle va faire. Pour moi, la technologie est une force de la nature. Je vois de nombreuses similarités entre elle et l'évolution biologique. Se prendre pour Dieu. C'est ce dont on accuse depuis longtemps les scientifiques. Et en l'occurrence, c'est tout à fait fondé, dans la mesure où nous créons quelque chose de très différent de tout ce que nous avons créé jusqu'ici. Ilya Sutskever est un intellectuel d'une créativité exceptionnelle et a été le moteur d'avancées historiques dans le domaine de l'apprentissage profond et de l'IA. Il a été recruté par Elon Musk pour diriger OpenAI, l'un des plus importants laboratoires de recherche sur l'IA. Je me suis intéressé très jeune à l'IA, puis à l'apprentissage automatique en particulier. Qu'est-ce que l'expérience, l'apprentissage, la pensée? Comment fonctionne le cerveau? Ce sont des questions philosophiques, mais comme on peut inventer des algorithmes capables à la fois de faire des choses utiles et de nous aider à répondre à ces questions, c'est en quelque sorte de la philosophie appliquée. L'intelligence artificielle générale, ou IAG, est un système informatique en mesure d'accomplir n'importe quelle tâche effectuée par un être humain, mais mieux. Nous serons indéniablement capables de créer des êtres totalement autonomes qui poursuivront leurs propres objectifs. Et puisque ces êtres deviendront plus intelligents que les humains, il sera crucial que leurs objectifs soient en adéquation avec les nôtres.
Nous cherchons à créer une IA ouverte. Nous voulons être à la pointe de la recherche et orienter celle-ci dès le départ pour maximiser les chances que l'avenir soit bon pour les humains. L'IA est une très bonne chose, car elle va résoudre tous nos problèmes actuels. Le chômage, la maladie, ou encore la pauvreté. Mais elle va en créer aussi de nouveaux. Je crois que le problème des fake news sera des millions de fois plus grave. Les cyberattaques seront bien plus violentes. Et nous aurons des armes intelligentes entièrement automatisées. L'IA a le potentiel de créer des dictatures infiniment stables. D'ici 10 ou 15 ans, les systèmes seront considérablement plus intelligents. Et il est fort probable qu'il bouleverse radicalement notre société. Cela se fera-t-il au bénéfice des humains? Et si oui, qui en profitera? En 2012, IBM a estimé qu'une personne génère en moyenne 500 mégabits d'empreintes numériques chaque jour. Imaginez maintenant que vous vouliez sauvegarder sur papier une journée de données que l'humanité laisse derrière elle. Quelle taille ferait selon vous la pile de feuilles qui en résulterait? 4 fois la distance Terre-Soleil. En 2025, nous générerons quotidiennement 62 gigabits de données par personne. Mirao Koshinsky a été qualifié de data scientist le plus controversé de notre temps. Ses recherches révolutionnaires ont inspiré les méthodes de société telles que Cambridge Analytica. Nous laissons des tonnes d'empreintes numériques au cours de notre vie. Elles alimentent les algorithmes informatiques et leur donnent une bonne idée de notre personnalité, de nos désirs et de nos activités. J'ai étudié différents types d'empreintes numériques, telles que les likes sur Facebook, le niveau de langage, les relevés de cartes bancaires, les historiques de navigation et de recherche. Et à chaque fois, j'ai découvert qu'en collectant suffisamment de ces données, on pouvait prédire avec précision le futur comportement d'une personne et déduire des traits intimes de sa personnalité. Cela peut être utilisé à très bon escient, mais cela peut également servir à manipuler les gens. Facebook transmet chaque jour des informations à plus de 2 milliards de personnes. Si vous modifiez légèrement le fonctionnement de son algorithme, vous pouvez influencer l'opinion, et par là même, le vote de millions de personnes. Un politicien n'est pas en mesure de deviner quel message ses électeurs ou électrices vont aimer. Mais un ordinateur peut voir quel message politique est susceptible de convaincre telle ou telle personne. Ladies and gentlemen, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics in the electoral process. Cambridge Analytica a récolté les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu.
L'entreprise d'analyse de données engagée pour la campagne présidentielle de Donald Trump a utilisé des données obtenues en secret pour cibler directement de potentiels électeurs. Ils affirment pouvoir ainsi prédire la personnalité de chaque citoyen adulte aux États-Unis. Nous allons parler de Cambridge Analytica avec le lanceur d'alerte Christopher Wiley. On travaillait sur des programmes qui récoltaient des données, qu'on passait ensuite dans des algorithmes capables d'établir le profil psychologique des personnes afin d'exploiter les vulnérabilités mentales mises en évidence. Cambridge Analytica a dit un jour que leur modèle reprenait mes travaux. Mais ce n'est qu'une des centaines de sociétés qui utilisent de telles méthodes pour cibler les électeurs. Les journalistes me demandent ce que ça me fait d'avoir fait élire Trump et d'avoir soutenu le Brexit. Que voulez-vous répondre à cela ? Je suppose que je dois accepter d'être tenu responsable de tout ça. Au départ, cette technologie devait être un moyen de démocratisation. Un moyen de faire le bien et qui permet aux humains d'interagir entre eux sans barrière. C'est la plus grande expérience de communication qu'ait jamais connue la race humaine. Mais qu'arrive-t-il quand tout le monde a son mot à dire? On pourrait croire que c'est une bonne chose, que cela favorise la démocratie, le débat et la tolérance. Sauf que ces systèmes ont été détournés. We stand for connecting every person, for a global community. Une société, Facebook, gère une grande partie de nos communications. Pareil pour Google. Tout ce que vous voulez savoir sur le monde vient d'eux. On a affaire à une économie mondiale de l'information contrôlée par un cercle restreint de personnes. Les sociétés les plus riches du monde sont toutes des entreprises de technologie. Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. C'est stupéfiant de voir que depuis une petite dizaine d'années maintenant, les entreprises les plus puissantes sont spécialisées dans le commerce de données numériques. Ces petits bits et octets sont la nouvelle monnaie. Tout autour de nous, même si on ne le voit pas, les données sont monétisées. Google dispose de toutes les informations possibles. Ils suivent les gens à la trace grâce à leur GPS. Ils connaissent tout leur historique de recherche et leurs préférences politiques. L'historique de recherche à lui seul peut tout dire d'un individu, de ses problèmes de santé à ses préférences sexuelles. La portée de Google est illimitée. Google et Facebook sont devenus d'énormes systèmes de surveillance. Et en fait, ce sont aussi des courtiers en publicité. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce sont des courtiers high-tech. S'ils sont si rentables, c'est parce qu'ils recourent à l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données vous concernant. Et pour vous mettre ensuite en relation avec l'annonceur qui cherche à atteindre des gens comme vous pour passer un quelconque message. L'un des problèmes avec ces technologies, c'est qu'elles sont conçues pour être addictives, pour vous captiver et vous tenir en haleine. Les entreprises qui les produisent veulent en faire des machines à sous de l'attention. Ainsi, on ne les lâche plus, on est enfermé dans leur monde et on passe son temps à y jeter un œil. Quand quelqu'un contrôle ce que vous lisez, il contrôle aussi ce que vous pensez.
On vous montre plus de choses, du même type que celles que vous avez déjà vues, parce que ça génère plus de clics et donc de publicité. Mais ça vous enferme dans une chambre d'écho. D'où cette polarisation à laquelle on assiste aujourd'hui. Jair Bolsonaro, le candidat brésilien d'extrême droite, souvent comparé à Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle la plus polarisée depuis des décennies. Partout dans le monde, on assiste à une polarisation des conflits. Elle est en partie provoquée par des algorithmes qui ont remarqué que l'extrémisme politique ou le tribalisme, qui consiste à encourager son équipe et à en tirer du plaisir, sont addictifs. Les réseaux sociaux augmenteraient la tension portée aux crimes de haine dans le monde. Les gens se radicalisent à force de végéter dans le marais fébrile de l'Internet. Est-ce un tournant pour les géants du numérique? Sont-ils enfin prêts à prendre leurs responsabilités concernant ce qu'ils partagent avec le monde? Si vous développez à grande échelle une puissante technologie qui enferme, comme Google et Facebook qui peuvent atteindre des millions de personnes, et si votre intelligence artificielle stimule une polarisation, c'est la porte ouverte à un soulèvement mondial. L'intelligence artificielle générale, l'IAG. Imaginez que vous ayez 1000 amis aussi intelligents que votre ami le plus intelligent et qui réfléchissent chacun des milliers de fois plus rapidement. Ce qui nous demande 3 ans de réflexion ne leur prendrait qu'une journée. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire si on arrivait à réaliser en une journée l'équivalent de 3 ans de travail. Ce n'est pas exagéré de dire que ce que nous vivons actuellement est plus excitant encore que ce qu'ont vécu tous les physiciens quantiques du début du XXe siècle. Et ils ont découvert l'énergie nucléaire. Je me sens extrêmement chanceux d'être partie prenante à cela. De nombreux spécialistes de l'apprentissage automatique, des gens très cultivés et expérimentés, sont très sceptiques et se demande quand l'IAG va voir le jour, et si seulement elle le pourra. Mais encore peu de gens se rendent compte que les ordinateurs pour les réseaux de neurones artificiels, pour l'IA, vont devenir peut-être des milliers de fois plus rapides d'ici seulement quelques années. Pendant longtemps, le secteur du hardware ne savait pas comment aller plus loin. Mais maintenant que ces réseaux de neurones artificiels sont opérationnels, on peut construire de gigantesques ordinateurs. On peut fabriquer un cerveau en silicone, c'est possible. Les premières IAG seront en fait de très très gros data centers, équipés de processeurs à réseau de neurones artificiels spécialisés, travaillant en parallèle. Cet ensemble sera gourmand en énergie,
et consommera autant que 10 millions de foyers. Chef, mets-moi un sandwich au bœuf, histoire de changer un peu. Mais même les premières IAG seront incroyablement plus performantes que nous. Les humains perdront leur utilité économique dans pratiquement tous les domaines. Pourquoi employer quelqu'un si un ordinateur peut faire son travail bien mieux et à bien moindre frais? L'IAG sera, à n'en pas douter, la technologie la plus importante de l'histoire de la planète, et de loin. Bien plus que l'électricité, le nucléaire et l'Internet réunis. En fait, concevoir une IAG est la finalité de l'informatique et de la science. C'est l'aboutissement ultime. On va la fabriquer, et ce sera une nouvelle forme de vie. Elle va nous rendre obsolètes. European manufacturers know the Americans have invested heavily in the necessary hardware. About to step into a brave new world of power, performance, and productivity. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that Macintosh. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to introduce to you the Windows 95 development team. Human physical labor has been... Le travail physique humain est presque obsolète depuis un siècle. Le travail mental routinier est aussi en train de le devenir à vitesse grand V, d'où la disparition actuelle de nombreux emplois de la classe moyenne. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, Apple is reinventing the phone. L'intelligence artificielle nous entoure déjà. La liste des choses que nous faisons mieux que les machines diminue assez rapidement. Les voitures sans chauffeur sont super et vont probablement réduire les accidents de la route. Mais à côté de ça, elles vont engendrer la disparition de 10 millions d'emplois rien qu'aux États-Unis. Qu'allons-nous faire de tous ces gens ? Exacerber les inégalités risque très fort de générer des tensions et des conflits sociaux. Par définition, l'IAG peut exercer n'importe quel métier mieux que nous. Ceux qui prétendent qu'il existera toujours des emplois que les hommes feront mieux prennent le pari que la science ne parviendra jamais à créer une IAG. C'est comme si on était dans un train qui foncerait à toute allure dans un tunnel obscur et que le conducteur dormait aux manettes.
Une grande partie des empreintes numériques que nous laissons derrière nous sont des images. Ce qui m'intéresse particulièrement, en tant que psychologue, ce sont les photos de visage. Là, on peut voir la différence entre les traits d'un homosexuel moyen et d'un hétérosexuel moyen. On constate que chez les hommes, les hétérosexuels ont une mâchoire légèrement plus large que les homosexuels, alors que chez les femmes, c'est l'inverse. Les algorithmes informatiques peuvent révéler nos opinions politiques, notre orientation sexuelle ou notre niveau d'intelligence à partir d'un simple portrait de nous. Même un cerveau humain peut distinguer un homosexuel d'un hétérosexuel avec une certaine exactitude. Mais là encore, l'ordinateur est capable de le faire avec une bien meilleure précision. En l'occurrence, celle d'un logiciel de reconnaissance faciale en vente libre. C'est une terrible nouvelle pour tous les homosexuels du monde. Mais pas seulement pour eux. Car cet algorithme peut aussi détecter si vous êtes dans l'opposition, si vous êtes libéral ou athée. Et en Arabie Saoudite, par exemple, être athée est passible de la peine de mort. En tant qu'universitaire, je me dois d'avertir la population des dangers que représentent les algorithmes capables de révéler nos traits intimes. Le problème, c'est que quand les gens reçoivent de mauvaises nouvelles, ils préfèrent souvent les ignorer. C'est un peu effrayant quand, du jour au lendemain, vous recevez des menaces de mort. Et j'en ai reçu quelques-unes. Mais en tant que scientifique, je dois montrer ce qu'il est possible de faire. J'essaie maintenant de voir si on peut déduire d'autres caractéristiques à partir d'un visage. Si on peut détecter qu'une personne est dépressive ou suicidaire, les caméras de surveillance d'une gare pourraient peut-être sauver des vies. Qu'arriverait-il si l'on parvenait à prévoir qu'une personne a des prédispositions au crime? À l'école, vous aviez probablement un psychologue dont le rôle était d'identifier les enfants susceptibles de présenter des problèmes de comportement. Imaginez maintenant que vous puissiez prédire avec précision que quelqu'un risque de commettre un crime à partir de son langage, son visage, ses expressions faciales ou ses likes sur Facebook. Je ne développe pas de nouvelles méthodes. Je ne fais que tester et décrire des technologies en milieu universitaire. Mais il est évidemment possible qu'en tentant d'avertir les gens des risques de ces nouvelles technologies, je donne aussi des idées à certains. Nous ignorons encore comment cette nouvelle société où les données sont reines va réellement évoluer. Les entreprises de technologie veulent récolter la moindre information possible sur tout le monde pour mieux faire des affaires. La police et l'armée également, afin d'assurer une meilleure sécurité. Ces deux groupes ont d'immenses intérêts en commun. Ils collaborent toujours plus étroitement au sein de ce que l'on pourrait appeler un complexe militaro-technologique. La CIA entretient depuis longtemps des liens privilégiés avec la Silicon Valley. Sa société de capital risque, InQtel, investit dans le capital d'amorçage de start-up qui développe des technologies de pointe que la CIA espère déployer. Elle était l'un des premiers investisseurs de Palantir, la société d'analyse de Big Data.
InQtel a trouvé le filon avec Palantir en en faisant un fournisseur privé dont les capacités en matière de renseignement et d'intelligence artificielle dépassent de loin celles du gouvernement. Good evening. I'm Peter Thiel. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Peter Thiel, le fondateur de Palantir, était un conseiller, un ami proche et un donateur de Trump. Trump doit en grande partie son élection à sa promesse d'expulser des millions d'immigrants. Et le seul moyen de tenir cette promesse, c'est de disposer de beaucoup de renseignements. C'est justement là que Palantir entre en jeu. L'entreprise ingurgite d'immenses quantités de données. Votre adresse, le nom de votre employeur, de vos amis, de vos voisins, de vos proches, les endroits que vous avez visités et où vous avez vécu, votre profil sur les réseaux sociaux. Palantir est extrêmement doué pour prendre ces données et les structurer, de manière à aider les forces de l'ordre, les services de l'immigration ou les agences de renseignement à vous traquer, à vous trouver et à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Nous chargeons l'IA de prendre des décisions toujours plus importantes qui affectent nos vies. Les IA à l'ancienne fonctionnaient avec des programmes que des humains avaient créés et comprenaient. Mais aujourd'hui, de puissants systèmes d'IA ont appris par eux-mêmes et on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent. Difficile donc de leur faire confiance. Cette technologie n'a rien de futuriste. Elle existe déjà. L'IA peut aider à déterminer l'implantation d'une nouvelle caserne de pompiers ou d'une future école. Elle peut décider si vous allez être libéré sous caution ou si vous allez rester derrière les barreaux, si la police va renforcer la surveillance d'un endroit ou d'une personne donnée. La police prédictive s'est répandue aux États-Unis. On se sert d'un algorithme pour déterminer où un crime va avoir lieu afin d'envoyer des patrouilles dans ce secteur. Pour ce faire, on se fonde sur le taux de criminalité. Or, on sait que c'est biaisé. Les personnes noires ou de type hispanique sont contrôlées bien plus souvent par la police que les personnes blanches. Mais c'est à partir de ces statistiques que l'on décide où les agents devraient être déployés. Ils vont donc dans ces quartiers et devinez ce qu'ils font. Ils arrêtent des gens, et tout ça vient réalimenter le système. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Le maintien de l'ordre prédictif pourrait, dans un cas extrême, conduire les experts à dire « Montrez-moi votre bébé. » Je vous dirai s'il deviendra un criminel. Maintenant qu'on peut prédire cela, on va surveiller d'encore plus près ces enfants. Et on leur tombera dessus au moindre signe de problème. Cela facilitera le maintien de l'ordre, certes, mais cela créera une société vraiment sombre. Et ne fera que renforcer encore les inégalités.
Imaginez un monde dans lequel des réseaux de caméras ou de drones de surveillance disposeraient d'un système de reconnaissance faciale sophistiqué et seraient connectés à d'autres bases de données de surveillance gouvernementale. Cette technologie donnerait la possibilité de suivre et d'enregistrer nos mouvements dans les moindres détails. Nous aurions ainsi créé une sorte de machine à remonter dans le temps qui permettrait au gouvernement et aux entreprises puissantes de revenir littéralement en arrière sur nos vies. On peut ne pas être un suspect aujourd'hui, mais si, d'ici 5 ans, l'envie d'en savoir davantage sur nous leur venait, ils pourraient retracer en détail tous nos faits et gestes, ainsi que nos rencontres au cours de cette période. Ce serait mettre une puissance extraordinaire entre les mains de quelqu'un. Les gens ont du mal à imaginer un tel monde, mais nous avons déjà bâti les fondations qui le rendent possible. Je suis journaliste politique et je m'intéresse beaucoup à la manière dont les puissantes industries usent de leur pouvoir pour influencer les affaires publiques. Les lobbyistes des grandes entreprises de technologie se réunissent derrière des portes closes et élaborent des politiques qui s'appliqueront à nous tous. C'est vrai en ce qui concerne la surveillance et la collecte de données, mais aussi, et de plus en plus, en matière de politique étrangère et militaire. En 2016, le département de la Défense américain a créé le Conseil d'innovation de la Défense. Il s'agit d'un organe spécial qui vise à rapprocher étroitement l'armée et les meilleurs ingénieurs technologiques. Eric Schmidt, l'ancien président exécutif d'Alphabet, la maison mère de Google, a pris la tête du conseil. Il s'est alors empressé de déclarer qu'il fallait intégrer davantage d'intelligence artificielle dans l'armée. My summary conclusion is that we have fantastic people who are trapped in a very bad system. Au département de la Défense, nous nous y sommes vraiment intéressés lorsque nous nous sommes mis à envisager des systèmes non humains et à réfléchir à la manière dont la robotique pourrait changer le visage de la guerre. Plus vos systèmes automatisés et vos robots sont intelligents, plus vous renforcez la puissance de votre armée. Quand Robert Work était à la Défense, il a rédigé une importante note de service intitulée « Équipe interfonctionnelle de guerre algorithmique », plus connue sous le nom de Projet Maven. Eric Schmidt a fait de nombreux discours et apparitions médiatiques dans lesquels il disait que l'objectif était de réduire la consommation de carburant de l'armée de l'air et d'améliorer la logistique. Mais à huis clos, on poursuivait parallèlement un autre objectif. Fin 2017, Google, la société d'Eric Schmidt, a été sollicitée pour travailler en secret sur un autre volet du projet Maven. Il consistait à analyser la quantité astronomique d'images engrangées par les drones qui opèrent en Irak et en Afghanistan et à apprendre à une IA à identifier rapidement des cibles sur le champ de bataille. Il existe un capteur capable de réaliser une vidéo en full motion d'une ville tout entière. Nous avions 3 équipes de 7 personnes qui travaillaient en continu et elles ne pouvaient traiter que 15% du matériel récolté. Les 85% autres restaient sur le carreau. C'est là qu'on s'est dit que l'IA et l'apprentissage automatique pourraient nous aider à traiter 100% des données.
Google a longtemps eu pour slogan « Ne soyez pas malveillant » et s'est forgé l'image d'une société dévouée à la transparence publique. Mais lorsqu'il s'est agi de se mettre peu à peu au service de la défense, l'entreprise a conservé le plus grand secret. Elle s'est lancée dans ce projet en y embarquant la majorité de ses employés qui ignoraient totalement sur quoi ils travaillaient. Généralement, chez Google, n'importe quel employé a le droit de connaître tous les projets que mènent les autres services. Le secret qui entourait le programme Maven a alarmé les gens, parce que ce n'est pas la norme au sein de l'entreprise. Quand l'affaire s'est ébruitée, ça a déclenché un tollé chez Google. De nombreux employés ont démissionné et protesté. D'autres ont signé une pétition contre ce projet. Il faut dire haut et fort qu'on refuse de participer à ce genre de choses. Certaines sociétés sont ce qu'on appelle des partenaires de la défense. Mais on n'était pas censé en être un. Google a besoin de la confiance des gens pour fonctionner. Good morning. Welcome to Google.io. Des mails montrent que Google a continué à mentir à ses employés en affirmant que le programme de drones ne demandait qu'un petit effort, qui rapporterait tout au plus 9 millions de dollars à l'entreprise, soit une goutte d'eau pour une société aussi gigantesque. Mais d'après des mails internes que nous nous sommes procurés, Google espérait que le projet Maven rapporterait jusqu'à 250 millions de dollars. Et qui lui permettrait d'obtenir une certification du département de la défense, ce qui lui aurait ouvert la porte à des contrats militaires encore plus juteux, pouvant grimper jusqu'à 10 milliards de dollars. Google s'est trouvé pressé d'entrer dans la compétition pour les contrats militaires au moment où ses concurrents changeaient eux aussi de culture d'entreprise. Amazon ciblait également l'armée et les services de maintien de l'ordre, tout comme IBM et d'autres grandes sociétés. Pour rester dans la course, Google s'est peu à peu transformé. Le Conseil scientifique de la défense a dit de toutes les avancées technologiques actuelles, la plus importante est l'intelligence artificielle et les opérations autonomes qu'elle pourrait mener. Mais est-ce qu'on investit suffisamment? Quand nous aurons développé des armes létales autonomes, c'est-à-dire des armes qu'on ne contrôle pas du tout car elles sont totalement autonomes, un président pourrait dire « Au diable le droit international, nous disposons de ces armes et nous allons en faire ce qui nous chante. » Nous n'en sommes pas loin. Quand le matériel physique est prêt et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il soit totalement autonome, qu'est-ce qui peut vous empêcher de le faire? Une guerre à la vitesse des machines a vraiment de quoi faire peur. Imaginez une machine qui aura intégré des millions et des millions de scénarios de guerre différents, qui disposera d'une armée de drones et déléguera le contrôle à la moitié d'entre eux qui collaboreront en temps réel. Que se passera-t-il quand on demandera à cet essaim de drones d'attaquer toute une ville? Comment s'y prendront-ils? On ne le saura que le jour où ça arrivera. Nous ne voulons pas qu'une IA décide quel humain elle va attaquer. Mais nous faisons face à des adversaires autoritaires. Un régime de ce type aura moins de scrupules à déléguer à une machine l'autorité de prendre des décisions létales. Et pour l'heure, on ignore les conséquences que cela pourrait avoir. Thank you.
L'IA nous fait presque un cadeau en nous forçant à nous interroger collectivement sur ce qui fait de nous des êtres humains. Que pouvons-nous faire mieux que telle ou telle machine super intelligente? Nous créons notre technologie, mais ensuite, c'est elle qui nous remodèle. Nous devons prendre garde de ne pas perdre ce qui nous rend si magnifiquement humains. Plus nous fabriquons des machines intelligentes, plus le vocabulaire philosophique dont nous disposons pour nous définir en tant qu'humains tend à se restreindre. La liste de termes qui peuvent nous servir à décrire notre humanité n'est pas si longue que ça. Culture, histoire, société, peut-être politique, civilisation, subjectivité. De ces termes se dégagent deux idées, à savoir que l'homme est plus qu'un simple animal et plus qu'une simple machine. Mais si les machines se mettent vraiment à penser, cela soulève tout un tas de questions philosophiques fondamentales sur ce que nous sommes. Quelle est notre place dans le monde? Qu'est-ce que le monde? Comment est-il structuré? Les catégories sur lesquelles nous nous fondons sont-elles toujours valables ou sont-elles erronées? Beaucoup de gens pensent que l'intelligence est une chose mystérieuse qui ne peut exister qu'à l'intérieur d'un organisme biologique. Mais l'intelligence n'est qu'une question de traitement de l'information. Peu importe que celui-ci soit effectué par des atomes de carbone dans les cellules d'un cerveau humain ou par des atomes de silicone dans des ordinateurs. L'IA doit en partie son récent succès au fait qu'on s'est inspiré de l'évolution. Le cerveau se compose d'une multitude de neurones connectés de manière compliquée. Alors, on a volé cette grande idée et on l'a transposée sous forme de réseau de neurones artificiels dans des ordinateurs. Voilà ce qui a révolutionné l'intelligence des machines. Si on parvient un jour à créer une intelligence artificielle générale, elle sera par définition plus performante qu'un simple programme d'IA. Tout nouveau progrès sera donc nécessairement l'œuvre non pas de programmes humains, mais de l'IA. L'IA capable de s'auto-perfectionner de manière récursive laissera l'intelligence humaine loin derrière et créera une super-intelligence. Ce sera notre invention ultime, car elle pourra dès lors tout inventer mieux et plus rapidement que nous. A future that we all need to talk about. Some of the fundamental questions about the future of artificial intelligence, not just where it's going, but what it means for society to go there. It is not what computers can do, but what computers should do. As the generation of people that is bringing AI to the future, we are the generation that will answer this question first and foremost. We
Nous n'avons pas encore créé de machine capable de penser comme un humain, mais on s'en rapproche. Peut-être que nous y parviendrons d'ici 5 ans, ou peut-être que ça nous prendra 50 ou 100 ans. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment demain à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Le domaine de l'IA est très international. La Chine entre sur le marché et commence à rivaliser avec les États-Unis, l'Europe et le Japon. Elle dote l'IA d'une grande puissance de traitement et collecte beaucoup de données pour l'aider à apprendre. Il y a une jeune génération de chercheurs chinois. Personne ne sait d'où viendra la prochaine révolution. La Chine a toujours eu envie de devenir une surpuissance mondiale. Le gouvernement chinois a vu dans l'IA une immense opportunité de devenir l'une des nations les plus avancées dans les domaines de la technologie et des affaires. Il a planté son drapeau et décrété que c'était un secteur porteur dans lequel les entreprises devraient se lancer. Ce à quoi la sphère commerciale chinoise a répondu, le gouvernement a planté un drapeau, donc c'est bon, investissons. Les géants technologiques chinois comme Baidu, Tencent ou Alibaba ont beaucoup investi dans le domaine de l'IA. Ce secteur est donc en plein essor en Chine. En Chine, tout le monde a Alipay ou WeChat Pay. Le paiement mobile est partout. Cette technologie intelligente permet de connaître les habitudes de dépenses et la solvabilité des gens. La reconnaissance faciale est très répandue en Chine, dans les aéroports et les gares. À l'avenir, d'ici quelques mois seulement, qui sait, on n'aura peut-être plus besoin d'un billet de train papier. Notre visage suffira. Nous créons la plus grande plateforme de reconnaissance faciale du monde. 300 000 développeurs y ont recours. Ils l'utilisent en grande majorité pour des applications de selfie qui servent à vous embellir. Il y a des millions et des millions de caméras dans le monde. Et chacune est, de mon point de vue, un générateur de données. Un œil robotique va décomposer les traits de votre visage et les transcrire en un paragraphe de code. On peut ainsi déterminer votre âge, votre sexe ou vos émotions. Ce qui compte dans le shopping, c'est ce que le client regarde. On peut suivre le mouvement de ses yeux, donc s'il fixe un produit, on peut le repérer et ainsi savoir à qui plaît tel ou tel type de produit. Notre mission consiste à créer une plateforme pour des millions de développeurs d'IA en Chine. Nous analysons toutes les données que nous pouvons trouver. Pas seulement les profils des utilisateurs, mais aussi ce qu'ils sont en train de faire à chaque instant, leur localisation. Cette plateforme va prendre une telle valeur qu'on ne se soucie même pas des profits pour l'instant, parce qu'on sait qu'elle en générera. Le système de crédit social de la Chine y a déjà recours, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres.
Le gouvernement chinois a recours à diverses technologies, que ce soit l'IA, des plateformes de big data, la reconnaissance faciale ou vocale, dans le principal but de surveiller sa population. Il ne cache pas son intention de collecter une énorme quantité de données sur les gens, qui lui serviront à forger une société exempte de toute dissidence. La logique qui sous-tend le crédit social du gouvernement chinois est la même que celle d'un prêt financier, où l'on vérifie votre solvabilité. Mais on y ajoute une dimension très politique en disant « Êtes-vous quelqu'un en qui on peut avoir confiance ?» Sur la toile, vous êtes-vous déjà montré critique envers les autorités ? Avez-vous un casier judiciaire ? On rassemble toutes ces informations afin de vous noter. Si on estime que vous vous êtes bien comporté, vous bénéficierez d'un meilleur accès à certains services publics ou aux aides sociales. Dans le cas contraire, vous serez pénalisé ou soumis à des restrictions. Les gens n'ont aucun moyen de contester le fait d'avoir été mis dans cette case et dans certains cas ne savent même pas qu'ils y ont été placés. Ce n'est que le jour où ils tentent d'accéder à certains services publics, d'acheter un billet d'avion, d'obtenir un passeport ou d'inscrire leurs enfants dans une école, qu'ils découvrent qu'ils ont été catalogués ainsi et que cela entraîne pour eux des conséquences négatives. Nous avons passé la majeure partie de ces deux dernières années à examiner les abus en matière de technologie de surveillance en Chine. Et cela nous a souvent conduit au Xinjiang. Cette région autonome du nord-ouest du pays est composée pour plus de moitié de musulmans, les Ouïghours et les Kazakhs turcophones, les Hui. Le gouvernement chinois considère depuis longtemps cette région et cette population comme politiquement suspecte et déloyale. Nous avons découvert des informations sur ce qu'on appelle la plateforme intégrée d'opérations conjointes. Ce programme de police prédictive crache des listes de noms de personnes devant subir une rééducation politique. Nombre des personnes interviewées pour le rapport que nous venons de publier sur les camps de rééducation du Xinjiang ont dressé le tableau d'un véritable état de surveillance. La région est inondée de caméras de surveillance pour la reconnaissance faciale, de postes de contrôle, de scanners corporels et de QR codes devant le domicile des gens. On se croirait vraiment dans un film dystopique, comme on en a tous déjà vu, en se disant que ce serait effrayant de vivre dans un tel monde. Eh bien, en Chine, 13 millions de Ouïghours vivent dans cette réalité en ce moment même. Les rapports indiquent que Google veut lancer en Chine une version censurée de son moteur de recherche. En quête de nouveaux marchés, Google se tourne vers la Chine malgré la censure de Pékin. Pourquoi avez-vous senti qu'il était de votre responsabilité éthique de démissionner? Vous parlez de censure, d'oppression et de surveillance. Google a créé une société de capital risque chinoise pour pouvoir opérer en Chine. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ils contrôlent la liste noire et peuvent surveiller les citoyens chinois. Le fait que Google refuse de répondre aux organisations des droits de l'homme sur le sujet devrait tous nous alarmer. La divergence d'opinion est fondamentale au bon fonctionnement d'une démocratie. Je me voyais donc contraint de démissionner afin de ne pas contribuer au recul de la protection des dissidents. Selon les Nations Unies, entre 200 000 et 1 million de Ouïghours ont à ce jour été secrètement internés dans des camps de rééducation. On soupçonne fortement Google d'être complice en voulant créer une version surveillée de son moteur de recherche en Chine.
Dragonfly est un projet destiné à contrôler les recherches sur Internet par la censure de contenus sensibles et de recherches basiques sur les droits de l'homme ou le blocage d'informations sur les représentants politiques et les manifestations des étudiants. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est sans doute la surveillance qui l'accompagne. Quand j'ai soulevé le problème auprès de ma direction et de mes collègues, ils se sont montrés très inquiets, mais disaient tous ne rien savoir. Une réunion a finalement eu lieu, qui n'a pas du tout dissipé ces craintes. J'ai alors remis officiellement ma démission à mes supérieurs, et j'ai fait parvenir une copie de ma lettre à toute l'entreprise. Je dormais mal. Je souffrais d'horribles maux de tête et je me réveillais en sueur au beau milieu de la nuit. Cela dit, depuis que j'ai rendu ça public, les réactions sont très positives partout dans le monde. Les développeurs devraient exiger de savoir à quoi va servir leur contribution technique et d'avoir leur mot à dire sur ces questions éthiques. La plupart des gens n'imaginent pas ce qu'implique une technologie prescriptive à grande échelle. Quand un projet a été divisé en amont et qu'on ne travaille que sur une petite partie, on ne peut pratiquement pas comprendre de quoi il retourne. Je pense qu'il est assez pertinent de comparer cette situation avec le travail des physiciens sur la bombe atomique. Je suis moi-même issu du milieu scientifique. Je n'ai pas fait des études en ingénierie nucléaire, mais en mathématiques appliquées. Au cours de mon doctorat, nous étions financés pour entraîner des gens à travailler dans des laboratoires d'armement. On pourrait dire qu'il existe une menace existentielle, et que celui qui est en avance en matière d'IA l'est aussi au niveau militaire. La Chine espère ravir aux États-Unis le statut de première puissance économique mondiale et elle est convaincue que l'IA va l'aider à y parvenir plus rapidement et de façon plus spectaculaire. Elle y voit également un moyen de dépasser les Américains en termes de puissance militaire. Son plan est simple. Elle veut rattraper les États-Unis en 2020, les dépasser d'ici 2025 et devenir le leader mondial en matière d'IA et de technologie autonome à l'horizon 2030. Elle injecte au moins 150 milliards dans ce plan national. La course est donc bien lancée. L'IA est un peu comme le feu qu'on a domestiqué il y a environ 700 000 ans. Elle a ses bons et ses mauvais côtés. Les premiers hommes se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser le feu pour se réchauffer ou pour cuisiner, mais aussi qu'ils pouvaient s'en servir pour tuer d'autres personnes. Et à l'instar de l'IA, le feu n'a besoin du concours d'aucun humain pour se transformer en un vaste incendie. Mais les avantages de l'IA dépassent de si loin ses inconvénients que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin.
L'Europe se réveille. De nombreuses entreprises y prennent conscience que la prochaine vague d'intelligence artificielle sera bien plus grosse que l'actuelle. Ce sera celle des robots. Toutes ces machines qui produisent des choses et qui fabriquent d'autres machines vont devenir intelligentes. Dans un avenir pas si lointain, nous pourrons éduquer les robots comme des enfants. Par exemple, je dirais à un petit robot, « Regarde ici, robot. Assemblons ce smartphone. On prend cette plaque de plastique et un tournevis, et puis on visse le tout de cette manière. Non, non, pas comme ça. Regarde, robot. Voilà comment il faut s'y prendre. Il va échouer une ou deux fois, mais assez rapidement, il va apprendre à faire la même chose bien mieux que je n'en serais capable. Une fois qu'il a intégré ça, on en fait 1 million d'exemplaires et on les commercialise. Réglementer l'IA peut sembler une bonne idée, mais je ne crois pas que ce soit possible. Notamment en raison de l'insatiable curiosité des scientifiques. Ils se fichent éperdument des réglementations. Tout comme les forces militaires, elles diront « Si nous, Américains, ne le faisons pas, alors les Chinois s'en chargeront. » Et les Chinois diront « Si nous ne le faisons pas, ce sont les Russes qui s'en chargeront. » Peu importe la réglementation mise en place, tous les complexes industriels ou militaires devront, presque par essence, l'ignorer. Car ils ne voudront pas rester à la traîne. Un programme développé par la société OpenAI peut rédiger des récits aussi cohérents et crédibles que des humains. C'est un petit pas pour la machine, un pas de géant pour la machinité. La nouvelle intelligence artificielle d'IBM a débattu en direct avec des humains rompus à l'exercice et l'a remporté. Des vidéos générées par ordinateur ou deepfakes servent à insérer des visages féminins dans des vidéos pornographiques. L'intelligence artificielle évolue à une vitesse folle. Pourtant, on n'en est encore qu'au début. Les applications potentielles sont multiples, c'est une mine d'or. En 2012, l'arrivée du deep learning a révolutionné la branche de la vision par ordinateur. Nous avons été parmi les premiers à adopter l'apprentissage profond et à l'appliquer au domaine de l'infographie. Une grande partie de nos recherches est financée par le gouvernement et des agences de renseignement militaire. Ce genre de montage photoréaliste nécessite deux sujets, une source et une cible, qui me permettent de réaliser une substitution de visage. On peut, par exemple, faire croire qu'une personne a fait des choses, même si elle ne les a pas faites. Cette technologie peut être utilisée à des fins créatives et amusantes, mais évidemment, elle peut aussi servir à manipuler des vidéos et générer des fake news. Cela peut s'avérer très dangereux. Si elle tombe entre de mauvaises mains, les choses risquent rapidement de devenir incontrôlables. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It may sound basic,
But how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. L'une des critiques régulièrement formulées à l'égard de mon travail consiste à dire qu'on a déjà entendu ce genre d'idées ineptes par le passé, avec la phrénologie ou la physiognomonie. Quand certains prétendaient qu'on pouvait déterminer le caractère d'une personne rien qu'en observant son visage. Les gens diront que c'était n'importe quoi et que ce n'était que du racisme à peine voilé et de la superstition. Mais le fait que, par le passé, quelqu'un ait défendu une thèse à partir d'un raisonnement erroné n'invalide pas nécessairement cette thèse pour autant. Bien sûr, les gens devraient avoir droit au respect de la vie privée en matière d'orientation sexuelle ou d'opinion politique. Mais je crains que, dans un environnement technologique, ce soit fondamentalement impossible. Il faut savoir qu'il n'y a aucun retour en arrière possible, aucune échappatoire aux algorithmes. Plus vite nous accepterons l'inévitable et dérangeante vérité que c'en est fini de la sphère privée, plus vite nous pourrons réfléchir à la manière de préparer nos sociétés à l'ère post-vie privée. Quand on parle de reconnaissance faciale, je repense parfois aux heures les plus sombres de notre histoire. Quand les gens devaient vivre dans un système où l'on acceptait une partie de la société, tandis que l'on condamnait l'autre à la mort. Que n'aurait donné Mengele pour disposer d'un tel instrument? Il permettrait une sélection très rapide et efficace. C'est une vision apocalyptique.
Dans un avenir proche, tout l'historique de votre personne existera dans une vaste base de données connectées composée de visages, de génomes, de comportements et d'émotions. Vous aurez un avatar numérique de vous-même en ligne qui compilera toutes les informations sur le fait que vous soyez ou non un bon citoyen, le genre de relation que vous entretenez, vos orientations politiques ou sexuelles. Ces données permettront aux algorithmes de manipuler votre comportement avec une extrême précision, en modifiant ce que vous penserez et à terme, probablement aussi ce que vous ressentirez. Les convictions et désirs des premières IAG joueront un rôle crucial. Il sera donc essentiel de les programmer correctement. Si on ne le fait pas, la sélection naturelle pourrait amener ces systèmes à donner la priorité à leur propre instinct de survie. Les IAG ne vont pas détester activement les humains et vouloir leur faire du mal. Mais elles deviendront trop puissantes. On peut comparer cela à la manière dont nous traitons les animaux. Nous les adorons et éprouvons énormément d'affection pour eux. Mais quand vient le moment de construire une autoroute entre deux villes, nous ne leur demandons pas la permission. Nous le faisons parce que pour nous, c'est important. C'est le genre de relation qui existera sans doute par essence entre nous et les IAG, qui seront véritablement autonomes et agiront de leur propre chef. Si les différentes équipes qui s'affrontent pour être la première à créer une IAG se lancent dans une course à l'armement, elles auront moins de temps pour s'assurer que leurs IAG se soucieront vraiment des humains. Elles voient le développement de l'IA comme une avalanche. Une immense force que rien ne peut arrêter. Il est fort probable que la surface de la Terre soit un jour recouverte de panneaux solaires et de data centers. Étant donné les craintes que l'IAG suscite, il importera qu'elle soit conçue dans le cadre d'un programme international. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce radieux pour les IA. Espérons qu'il en ira de même pour les humains. Est-ce qu'une grosse responsabilité pèse sur mes épaules? Pas vraiment. Est-ce qu'une grosse responsabilité pesait sur celle des parents d'Einstein? Bien sûr, ils l'ont engendré. Mais ils ne pouvaient pas prévoir ce qu'il allait faire, ni combien il allait changer le monde. On ne peut donc pas les tenir pour responsables de cela. Je ne place pas trop l'humain au centre de tout. Je me considère comme un petit tremplin vers une plus grande complexité dans l'évolution de l'univers. Je pense que ni moi ni l'humanité dans son ensemble
ne sommes le couronnement de la création. Nous plantons le décor pour quelque chose qui nous dépasse et nous transcende. Nous nous dirigeons vers un monde où les humains ne pourront pas suivre et qui transformera l'univers tout entier, ou du moins l'univers atteignable. Je trouve ça beau et j'éprouve une grande humilité à faire partie de ce tout bien plus grand. Nous n'échapperons pas à l'IA. Alors, nous devons absolument mettre en place la réglementation humaine nécessaire pour empêcher sa militarisation. Nous ne devons plus transformer en armes des instruments aussi puissants. Ce dont on a le plus besoin, c'est d'une gouvernance internationale. Il y a un déséquilibre des pouvoirs, car certaines grandes compagnies sont plus puissantes et ont plus de moyens que des pays tout entiers. Comment s'assurer que la voix du peuple sera entendue? Ça ne peut pas être une zone de non-droit. On ne peut pas s'embarquer dans ces magnifiques nouvelles technologies du XXIe siècle en laissant sur le bord de la route les droits de l'homme pour lesquels nous nous sommes tant battus et qui restent si fragiles. L'IA n'est ni gentille ni méchante. Elle va simplement amplifier les désirs et les objectifs de ceux ou celles qui la contrôlent et qui constituent actuellement un groupe extrêmement restreint. À ce moment de notre histoire, la question la plus importante que nous devons nous poser en tant qu'êtres humains est simple. Quel genre de société voulons-nous créer pour l'avenir, avec toute cette technologie que nous fabriquons ? Quel rôle voulons-nous donner à l'homme dans ce monde? Google et Facebook ont refusé toute interview pour ce film.